Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage astro sentimental. Alors, tout d'abord, ne soyez pas choqués par mes mains. C'était atelier pâte à sel coloré ce matin. Voilà, donc j'en ai de partout. Voilà. On est parti, on va aller voir au niveau sentimental pour vous les béliers sur ce mois de décembre. Quels sont les messages au niveau sentimental? Alors. Bélier, signe ascendant lunaire solaire, bien entendu. Je vous invite à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires aussi pour avoir une guidance plus complète. Et on va aller voir quels sont les messages pour les béliers pour ce mois de décembre au niveau sentimental. S'il vous plaît, pour les béliers, signe ascendant lunaire solaire. L'indifférence. Alors, l'indifférence, avec le 4 de coupe, va nous parler aussi de stabilité, hein, n'est-ce pas? On est indifférent aux autres courbes parce qu'on est stable. Donc, il y a cette espèce de besoin, là, peut-être en début de mois, de retrouver sa stabilité émotionnelle au niveau de son âme, au niveau de son cœur, déjà, soit avec soi-même. On va éviter de se faire parasiter par les autres parce que, voilà, vous êtes en pleine reprise de pouvoir avec la reine de bâton. Où là, on va nous parler de faire le point et d'être stable sur ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on veut entreprendre dans notre vie, voir l'avenir, voir au loin. Et j'ai l'impression que là, au niveau émotionnel, vous allez essayer de pas trop vous laisser perturber. Alors, on est stable, mais c'est pas la folie, la passion. Pourtant, vous aimeriez retrouver ce côté charismatique aussi, parce que la reine de bâton, elle est aussi très charismatique, elle est à l'avant, savoir ce côté feu, vous voyez. On a un 2 d'épée. Où là, il y a des doutes, il y a des questionnements dans la tête. Le 2 d'épée, c'est un choix à faire, hein. C'est un choix, c'est une dualité entre deux situations, vous voyez. Peut-être que vous êtes stable au niveau émotionnel, mais c'est pas la grosse passion et vous allez vers cette passion. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas. Ça peut être un choix entre deux personnes aussi, entre deux situations. Envie de prendre une décision, on ne sait pas où aller. Alors, prendre là, on me dit. Ah, le cavalier de coupe. Bon, bah c'est plutôt cool. Parce que là, on finit notre mois avec un cavalier de coupe. Et qu'est-ce que va nous dire le cavalier de coupe? Le cavalier de coupe va nous parler de notre âme et de notre cœur, d'être fidèle. Donc, vous attirez une personne à vous fidèle parce que vous êtes fidèle à vous-même. Vous comprenez? Ça fonctionne toujours comme ça en loi de l'attraction. On va vers le soleil quand même. On va vers le soleil, peut-être avoir des enfants aussi, mais c'est aussi et avant tout se reconnecter à son soleil intérieur. Vous voyez, à cette espèce d'aura qu'on peut avoir pour attirer à nous les bonnes personnes. Je vois encore un 4 de coupe, décidément. Il y a beaucoup de. Là, ce que je ressens, les béliers, c'est que l'amour, c'est pas votre priorité. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses dans votre vie et pour l'instant, vous avez besoin de faire le clair déjà à l'intérieur de vous-même. Et vous n'allez pas avoir envie de vous laisser parasiter par d'autres personnes. Tiens, j'ai deux cartes qui tombent dessus. Ah, magnifique. Bon, on a quand même le 2 de coupe, hein. Pour un tirage sentimental, ce qui est magnifique, parce que le 2 de coupe nous parle de la personne idéale pour vous. Donc, trouver et attirer la bonne personne. Et l'as de bâton, on nous parle de passion, ok? Et de désir. Donc, là, sur un 4 de coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Sur un 4 de coupe, ces cartes-là vous disent que potentiellement, vous pouvez attirer la bonne personne à vous, que ça peut être très passionnel. Et c'est une histoire qui peut être vraiment très belle. Mais alors vous allez plutôt être dans. Laissez ça de côté. Vous n'allez pas vous enflammer, vous voyez. Parce que vous sentez que vous n'êtes pas stable. Alors ça peut être au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau. Il y a quelque chose, mais dis donc qu'elles tombent toutes par deux, quoi. Bon. Vous allez quand même réussir à récolter ce que vous allez pouvoir semer. Et là, en plus, on vous parle d'un roi de bâton, donc entre une reine de bâton et un roi de bâton. Pour certains, si vous êtes en couple, vous avez essayé de remettre un petit peu de la passion avec l'autre, un petit peu du désir, et on vous dit que ça va porter ses fruits. En tout cas, vous avez besoin de prendre un temps sur vous par rapport à ce couple qui aurait pu être très passionnel et qui ne l'est plus. Et là, vous allez pouvoir retrouver quelque chose qui vibre plus au niveau de l'âme et au niveau du feu, au niveau de la passion. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, on vous dit que là, le fait d'être peut-être indifférent à une personne qui pourrait venir à vous, où il pourrait y avoir beaucoup de passion ou autre, c'est pour prendre le temps de vous stabiliser, de savoir exactement ce que vous désirez. Et on vous dit que ça va être productif et vous allez pouvoir attirer à vous. Vous voyez, j'ai une polarité féminine et masculine, mais j'ai clairement un couple, hein, qui a travaillé chacun sur ses blessures d'âme et autres pour pouvoir se réunir. Donc, c'est plutôt cool. Alors, soit vous l'attirez, vous faites déjà quelque chose, soit il était dans votre vie, soit
comment vous dire, au niveau énergétique, vous voyez, vous débloquez ça. Il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, on ira voir avec les oracles après. Des fois c'est un ami auquel on ne penserait pas du tout, hein, vous voyez. Le 10 de bâton, eh ouais. Alors ça, c'est les lourds fardeaux. Il y a des lourds fardeaux à lâcher et vous hésitez. Il y a quelque chose à lâcher de votre côté, là. Au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau désir passionnel, il y a quelque chose qui pèse trop. Peut-être vous désirez trop de choses ou trop de personnes ou vous n'arrivez plus à y voir clair. En tout cas, vous avez un trop gros poids sur le dos. Vous avez besoin de lâcher ce poids et c'est un choix que vous devez faire. Et j'ai l'impression que vous mettez un petit peu les choses en place pour attirer à vous la bonne personne, mais de façon stable ici, les béliers. Hein, ou en tout cas, faire bouger quelque chose de façon stable. Une fois que vous aurez déblayé tout ça pendant ce mois-ci, là, où ça se joue un peu vous face à vous-même, là, vous allez pouvoir avancer rapidement. Avec le 8 de bâton, les choses vont s'accélérer avec une personne qui vous est fidèle parce que vous êtes fidèle à vous-même et vous allez vers le soleil. Regardez, j'ai encore ce 4 de coupe qui ressort. Et là, dans le Luminataro, il est très intéressant. Parce que le 4 de coupe fonctionne en miroir, vous voyez ? Donc, ça me parle vraiment de qu'est-ce que je projette dans le miroir, vous voyez. Ça peut me parler de flammes jumelles, vous voyez, de relations de flammes jumelles, de liens d'âme, de personnes qui fonctionnent en miroir. C'est-à-dire que si moi, je suis pas dans la passion et les désirs, bah, l'autre ne pourra pas l'être, vous voyez. Si moi, je ne veux pas m'ouvrir à l'amour, bah, l'amour va pas s'ouvrir à moi non plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là. Ok. Bon. Bah écoutez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous et puis après on complétera avec les oracles sentimentaux. Donc pour les béliers, signe ascendant, lunaire, solaire, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez quand même un très beau tirage, regardez. Ça me parle de distance, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, soit par rapport à un couple ou par rapport à une personne qui vient avec vous, avec laquelle il y aurait beaucoup de passion. Vous avez besoin de calmer le jeu et de prendre le temps un petit peu. Voilà, ou par rapport à des personnes qui viennent, ou à, vous voyez, ou... De façon plus large, si personne n'est venu à vous, ça peut être tout simplement dans votre façon de concevoir le couple. Voyez, de concevoir l'union parfaite, le couple, la passion, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous attire dans un couple. C'est une réflexion vraiment sur vous, là. Oui, on nous parle encore d'un homme, d'une polarité masculine. Là, il y a un homme qui vient clairement vers une femme. Et cette femme a beaucoup travaillé vers elle. Hein. Vous avez peut-être besoin de reconquérir un homme pour certaines. Vous voyez ce qui est vivre en vous. Voilà. Une fois que vous aurez posé vos lourds fardeaux et pris la décision de vous libérer d'un passé, de fardeaux et autres, vous allez vers le miroir magnétique, le miroir magique. Le miroir magique, c'est la chance, l'enfant, le nouveau départ, un nouveau projet, la spiritualité, pouvoir matérialiser absolument tout ce qu'on veut. La loi de l'attraction. Et ça, vous allez pouvoir le faire, mais avant tout, il faut poser vos fardeaux du passé et rapidement, vous allez être beaucoup plus juste pour vous. Il peut aussi y avoir une décision de loi, de justice. Donc, ça peut parler d'un mariage parce qu'on a quand même un cavalier de coupe qui nous parle de fidélité, qui nous parle de sincérité. Le cavalier de coupe fonctionne qu'avec le cœur et qu'avec l'âme. Mais j'ai encore une fois un verdict derrière. Donc, pour certains, on va vraiment trancher. Vous voyez, j'ai le choix et l'enfant, le nouveau projet. Vous allez décider d'aller, pour moi, dans ce tirage, vers quelque chose qui vibre plus et qui parle plus pour vous, en tout cas. Il y a quelque chose qui vous appelle et là vous avez envie d'y aller, hein, clairement. Alors, ça peut être changer de dynamique dans votre couple ou ça peut être aller vers la bonne personne, mais une personne différente que ce que vous attiriez à vous d'habitude. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de l'amour, l'harmonie, voyez? C'est exactement ça. Hein. Vous allez retrouver votre harmonie. Mais pour ça, vous prenez un temps pour vous. Il y a une relation en tout cas qui pourrait être très harmonieuse. Si on prend de la hauteur, vous avez besoin de voir la... Soit une personne va venir vers vous, ça va vous perturber. Soit vous êtes déjà dans un couple, il y a quelque chose qui fonctionne plus correctement. Il y a peut-être moins de passion et vous voulez un nouveau départ au niveau de la passion, des désirs. Vous allez prendre de la distance sur tout ça. Et vous allez retrouver cette harmonie. Regardez, on a l'équilibre qui arrive aussi. Hein. Donc, c'est vraiment, en plus, c'est le 22, c'est un chiffre miroir, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez beaucoup de 2, 2, c'est le couple, 4, 2, c'est tout le couple, ça, d'accord? Donc, c'est le fait d'être à 2. Ah, une séparation. Pour certains, soit ça va être se séparer d'une personne avec laquelle ça ne vibre plus,
et au final, ça vous faisait un poids pour aller vers la bonne personne parce que vous vous rendez compte que ben, vous n'êtes pas dans un couple idéal, il n'y a pas de passion, vous avez travaillé sur vous et là, vous allez attirer à vous une personne différente et ça va vous permettre de casser, de vous séparer de quelque chose qui ne fonctionne plus. Pour d'autres, clairement, on se sépare vraiment d'un 10 de bâton, c'est-à-dire de fardeau qu'on a sur le dos pour aller matérialiser quelque chose d'autre. Et là, avec le 2 d'épée, on vous dit que c'est à vous de faire ce choix, mais vous êtes un peu bloqué dans ce choix-là pour l'instant. Ok. Ouais. Voyez la trahison. La trahison, c'est peut-être que vous êtes, peut-être que c'est des blessures de trahison que vous avez. Hein. Pour certaines qui sont célibataires ou certains qui sont célibataires, peut-être les lourds fardeaux que vous avez à vous séparer, c'est des blessures de trahison, vous voyez. Vous avez peut-être été trahi dans le passé, trompé, dupé, blessé au niveau de votre âme et vous en avez gardé des séquelles et vous n'arrivez pas à vous ouvrir à la bonne personne et vous allez prendre le temps. Vraiment de prendre de la hauteur, de réfléchir à vos relations passées, de voir pourquoi ça fonctionne toujours avec les hommes, de conscientiser que vous, avec la personne en face, vous voulez que ce soit beaucoup plus stable, comme ceci, comme cela, et vous allez pouvoir le matérialiser. Et c'est vous qui allez trancher rapidement, vous allez trancher pour être fidèle à vous-même et vous dire, ok, là, je vais être juste avec moi, je bloque cette blessure de trahison, je pose ce verdict définitivement. J'ai pris le temps de me poser sur moi, de retrouver ma lumière intérieure et je vais vers quoi? Un engagement. Et ça me permet d'aller vers un engagement qui est stable, vous voyez, parce qu'on ne peut pas se mettre dans une relation stable et équilibrée si nous-mêmes, nous ne sommes pas stables et équilibrés. Si ce n'est pas possible, c'est forcément, on va remettre des blessures à l'autre qui ne lui appartiennent pas et c'est voué à l'échec. Il faut des fois prendre le temps de guérir et de penser ses blessures d'âme pour aller vers quelque chose. Bon, vous la faites tomber parce que je l'ai perdu là, je ne sais plus laquelle c'est. Ouais, c'était celle-là. Ok. Tiens, l'amour véritable. Et vous allez matérialiser l'amour véritable. Bon, alors vous prenez la distance, vous vous rendez compte que c'est cette personne votre vrai amour, que oui, c'est la bonne personne pour vous, mais peut-être que là, vous avez encore un travail à faire pour vous. Quand je vous disais que des fois, il s'agit d'un ami, là, j'ai une amitié sincère, hein. Loyauté, fidélité, intégrité, il y a beaucoup de fidélité, de personnes fidèles et intègres dans ce tirage, d'accord? Ça peut être un ami, et vous vous rendez compte que cet ami, au final, bah, c'est un amour. Vous voyez, séparation, the end, il y a quelque chose qui se finit, on se sépare, séparation sur la séparation. Alors, soit on se sépare d'une personne avec laquelle ça ne vibre plus parce qu'on se rend compte que, eh ben, on est plus attiré par un lien d'âme. Le 2 de coupe, c'est la bonne personne pour vous. Donc, c'est vraiment l'âme sœur, enfin, il n'y a pas de doute, hein, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que soit vous séparez d'une personne parce que vous avez la bonne personne qui vient à vous et vous prenez de la distance et de la hauteur et vous allez vers cette personne-là. Et ça pourrait être un ami ou en tout cas, c'est une personne qui est fidèle dans tous les cas parce que vous êtes fidèle à vous-même et rapidement, vous allez poser et être juste envers vous-même. Soit vraiment, vous décidez encore une fois de vous séparer de vos blessures de trahison, de peur, d'angoisse. Ouais. Pour certains, vous pouvez vous détacher d'une triangulaire aussi. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Regardez, il va y avoir des réconciliations et là, vous allez être en paix. La réconciliation, elle est avec vous-même. Vous vous réconciliez avec vous-même parce que vous guérissez vos blessures de trahison. Et puis, il y a des messages envoyés, il y a des messages reçus, il y a des échanges de correspondance. Alors là, c'est plus des messages envoyés. Peut-être est-ce vous qui avez besoin de communiquer aussi avec une personne du passé qui vous a trahi pour vous libérer de cette blessure. En tout cas, on vous dit que les choses bougent, il y a un déménagement à venir sur l'engagement avec une personne qui est sérieuse, avec laquelle vous faites absolument confiance. Et c'est vraiment cool. On va aller voir quels sont les conseils pour vous, les béliers, au niveau sentimental. Bélier, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les conseils, s'il vous plaît. Bon, bah là, on est sur un 2 de bâton. Hein, donc, qu'est-ce qu'on nous dit même pas, je dis des conneries. Oui, non, pas du tout. C'est le 2 d'épée, ça. Pas du tout, bah non, le 2 d'épée, la dualité, c'est ça. Bon, j'allais vous dire, le 2 de bâton, c'est ouvrir ses perspectives, aller voir quelque chose d'autre, mais ce qui revient au même, parce que au final, là, vous avez un choix à faire, quoi. Vous voyez, vous êtes en dualité comme ça au niveau de votre tête, vous avez un choix à faire soit entre deux personnes, soit rester dans une situation quittée, vous débarrasser de vos blessures d'âme, voilà, pour ouvrir des perspectives et y voir plus clair et voir quelque chose de différent.
Donc là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Positionnez-vous en fait. Hein. Positionnez-vous, faites le point sur vous, qu'est-ce qui ne vous correspond plus. Ensuite, on vous conseille de bouger, d'avancer. Il ne faut pas que les choses restent figées. Si c'est par rapport à un ami ou une personne, allez-y. Foncez, allez voir ce que ça a donné. On est là pour expérimenter. Après, tout le monde va vous dire. Hein. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis ce que je ressens avec les cartes. Hein. Le roi de deniers. Donc là, on vous dit d'être... Alors, ça peut être par rapport à une personne qui est dans la polarité du roi de deniers, vous voyez, c'est-à-dire qui va être patron, chef d'entreprise, qui sait faire fructifier, qui est stable au niveau financier, qui est très ancré. Voilà, il y a peut-être une séparation à faire avec une personne comme ça. Parce que vous, ça ne vibre plus. Pour d'autres personnes, ça va être vous d'être très ancré, vous voyez. Vous avez besoin de faire le point, de vous ancrer, d'être stable. Et pour être stable, vous avez besoin de vous séparer de fardeaux, de trahisons. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous aider à vous stabiliser au niveau émotionnel. Donc là, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. De toute façon, vous prenez toujours ce qui vibre en vous. Hein. Si ça ne vibre pas, ça ne vibre pas. Regardez. Là, j'ai le 5 de denier. Et le 5 de denier, qu'est-ce que c'est? C'est la perte, c'est le manque, la perte. Alors, financière, mais là, j'ai l'impression que c'est plus le manque, la perte. Alors, le manque, la perte d'une personne qui, au final, serait un ami. Le manque, la perte d'espoir dans votre cœur parce que vous êtes trop harassé par ces blessures de trahison. Le manque, la perte de fidélité envers vous-même. En tout cas, il faut vous libérer de ces énergies-là. Ça, vous avez besoin de le lâcher. Vous voyez, voilà, il faut s'en libérer. J'ai quoi? Le 8 de coupe qui était en d'autres decks tout à l'heure aussi. Où on vous conseille vraiment... de faire une introspection à l'intérieur de vous. C'est un peu l'ermite, le 8 de coupe. On va aller scinder à l'intérieur de nous pour savoir, en fait, qu'est-ce que je veux. Voyez, vous aviez la fumée devant le miroir, là, en énergie générale. J'ai l'impression que même au niveau sentimental, vous avez besoin d'y voir plus clair. Et vous allez quand même vers un 4, là. Et là, le 4 de bâton, on est dans la stabilité, voyez. On va prendre un petit message de votre âme par rapport à tout ça. Faites une pause. Ah oui. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Voilà pour le sentimental, ce qu'a à vous dire votre âme. Et puis, je vais prendre, comme pour les autres, même si votre tirage dure un peu plus longtemps, c'est pas grave, une carte pour savoir où en est les béliers, votre cœur, votre âme, pour ce mois de décembre. Voilà. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. D'accord? Donc, peut-être que vous doutez d'une personne et on vous dit, prenez confiance en vous. Vous avez besoin d'y voir clair dans une situation. Il y a des trucs qui ne sont pas clairs pour vous au niveau sentimental. S'il y a un autre en face ou votre autre à venir, si vous ne le connaissez pas, où en est-il pour ce mois de décembre, pour les béliers, signe ascendant lunaire solaire? Surprise. Ouh! Il y a une surprise à venir pour vous. D'accord. Ok. Donc lui, il a envie de vous faire une surprise ou il a envie de vous surprendre. C'est celle-là qui doit venir. Ah, mais il y a une autre personne qui perturbe la relation et qui arrive sur la relation. Donc peut-être est-ce ça qui vous empêche d'y voir clair. Pour d'autres, je vous parlais de triangulaire. C'est peut-être ça. Mais au fond, celles qui ont déjà rencontré la bonne personne autour d'elles, voilà, vous savez qu'il y a une bague, il y a un cadeau à venir, il y a un engagement. Vous savez hein, de qui je vous parle. Là, vous savez de qui je vous parle et on vous confirme que c'est vraiment la bonne personne. Mais bon, vous allez avoir besoin d'y voir clair et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Voilà les petits loulous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer les notifications et à mettre des petits commentaires pour me tenir au courant. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.